İyi akşamlar. Gilles Deleuze için sergisinin 5. konferansındayız. Bugün konuşmacımız François Zurabishvili. Kendisinin Gilles Deleuze Bir Olay Felsefesi adlı, Deleuze Une Philosophie de l'Evénement adlı bir kitabı var. Bu 94 yılında birinci baskısı yapılan bir kitap, Presse Universitaire de France'dan. 2006 yılında tekrar ikinci baskısı yayınlandı. Deleuze'ün Vokabüleri diye başka bir kitap, Le Vocabulaire de Deleuze, Ellipse yayınlarından yayınlanan bir kitap. İki tane Spinoza üzerine kitabı var. Ve kendisi Montpellier Üniversitesi'nde felsefe bölümünde dersler vermekte. Bugünkü konferansının başlığı da Deleuze'ün estetik düşüncesine demir atmak diye bir başlık kullanıyor. L'ancrage esthétique de la philosophie de pardon, l'ancrage esthétique de la pensée de Deleuze. Evet, ben kendisine bırakıyorum sözü. Merci Ali Akai, merci d'une manière générale pour ton accueil, et je voudrais souligner après d'autres combien cette formule des conférences quotidiennes, d'une conférence par jour, est favorable au travail philosophique, je trouve. Et on évite l'indigestion des colloques et on a le temps de ruminer ce qu'on a entendu et de ne pas confondre les conférences les unes avec les autres. Donc merci pour ce dispositif. Comme vous savez, Deleuze est un philosophe qui n'a pas cessé d'écrire sur l'art. Mais ce qui est très particulier, c'est que tout en écrivant sur l'art, il a toujours revendiqué de le faire en tant que philosophe, considérant que ses livres sur Proust, sur Kafka, sur le cinéma, étaient des livres de philosophie, pleinement des livres de philosophie et non pas des détours qu'un philosophe se permettrait de temps à autre hors de son champ propre, ce qui nous indique que ces livres doivent être lus comme tels, c'est-à-dire comme des livres de philosophie, même lorsqu'en apparence il s'agit d'autre chose. Et par conséquent, la question que cette œuvre impose n'est pas seulement, et la question que je voudrais me poser avec vous n'est pas seulement de savoir comment Deleuze envisage l'art, mais aussi bien qu'est-ce que ça signifie qu'un philosophe, pour faire de la philosophie, ait besoin de se confronter à l'art. Quelle nécessité y a-t-il à ce qu'un philosophe, dans son travail de philosophe, prétende avoir besoin de se confronter à l'art? Et cette question est importante aussi pour déterminer aujourd'hui quel type de philosophie nous voulons faire ou ne pas faire. Puisqu'aussi bien le commenter Deleuze n'est pas une fin en soi, enfin il ne faudrait pas que ça devienne une fin en soi, mais c'est une manière de se repérer aujourd'hui dans les méandres de la philosophie contemporaine, de manière à, si possible, faire notre chemin seul. Cette question de ce que signifie pour un philosophe d'avoir besoin de l'art dans son travail de philosophe, c'est une question en un sens relativement ancienne ou relativement récente, hein, selon le point de vue qu'on prend. En tout cas, c'est une question qui s'ouvre avant Deleuze, et je crois comme un véritable tournant de la philosophie entière, tournant que pour ma part j'appelle tournant esthétique de la philosophie. L'expression peut, si vous êtes au courant, peut vous sembler proche du fameux linguistic turn qu'utilisent les philosophes anglo-saxons. Mais quand je parle de tournant esthétique de la philosophie, ce n'est pas pour moi justement un mot d'ordre, c'est plutôt de l'ordre du constat. Il y a eu un tournant esthétique de la philosophie. Non pas que Deleuze répète un questionnement qui aurait été formulé avant lui et ne propose en somme rien de bien nouveau,
Comme certains s'empresseraient de le conclure, mais je dirais que Deleuze s'inscrit dans ce tournant. Il est un de ceux qui donnent sens, qui donnent consistance à ce questionnement. De cette manière, l'œuvre de Deleuze atteste que le tournant de la philosophie n'a pas cessé de s'accomplir, hein, que c'est toujours pour nous un présent, même si ce tournant a commencé il y a au moins, ou il y a à peu près 2 siècles. Mais, si vous voulez, comme la réalité d'une pensée n'est attestable à son tour que par la trace effective qu'elle laisse chez les gens qui la prennent en charge, ou chez les gens qui la commandent, la philosophie n'est attestable que par la trace effective qu'elle laisse dans la philosophie, donc parmi les philosophes vivants. C'est au lecteur de Deleuze de produire cette trace en énonçant autant que possible en quoi consiste la nouveauté deleuzienne. Alors, je dois ici me contenter de quelques remarques, mais d'abord je voudrais préciser en quoi consiste à mes yeux le tournant esthétique de la philosophie. Il est venu un moment dans l'histoire de la philosophie, dans l'aventure philosophique, où la philosophie, pour s'identifier elle-même, hein, dans son travail de prise de conscience ou d'autodéfinition, a senti qu'elle avait besoin de l'art. C'est-à-dire que seul un détour par l'art serait désormais à même de satisfaire sa demande réflexive. Quand un philosophe se demande qu'est-ce que c'est la philosophie, vient un moment où, curieusement, il a besoin de se confronter à l'art. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc c'est, si vous voulez, comme si la philosophie en était arrivée à ce stade de son questionnement où, désormais, il n'y aurait pour elle de rapport à soi que dans un rapport à l'art. Cet événement, on peut le dater, il remonte à la seconde moitié du 18e siècle, c'est-à-dire au moment où s'invente le mot esthétique. Comme vous savez, le mot a été forgé par un philosophe allemand qui s'appelait Alexander Baumgarten. Dès Baumgarten, en effet, on sent bien que l'esthétique est tout autre chose d'abord qu'un simple mot, mais que ça n'est pas non plus une rubrique à part. Ce n'est pas une nouvelle spécialité qui serait dévolue aux philosophes et qui une spécialité supplémentaire, si vous voulez, au sein de la philosophie. Mais on sent bien, dès le départ, que toute la philosophie se trouve mobilisée dans cette affaire, hein, qu'il y va du destin de la philosophie. Si bien qu'on peut dire qu'aujourd'hui, si l'esthétique doit mourir, au moins ne mourra-t-elle pas d'être contestée en tant que telle sous l'accusation qui me semble ridicule d'avoir confisqué le discours sur l'art. Les philosophes analytiques, par exemple, ont coutume de le prétendre. Je ne pense pas que l'esthétique puisse mourir de ça, puisque aussi bien sa légitimité ou sa nécessité n'est pas du tout à chercher du côté de, comment dire, de presque au fond de la valeur de ce qu'elle aurait à dire sur l'art, mais sa légitimité ou sa nécessité est à chercher dans le devenir même de la philosophie. Pour préciser ce que j'entends par ce tournant, nous ne devons pas imaginer les philosophes devenus soudain curieux de l'art au XVIIIe siècle et l'incluant désormais parmi les objets dignes de leur réflexion. On sait par exemple que Spinoza lisait du théâtre et de la poésie. Ça fait longtemps qu'on s'inquiète des liens assez énigmatiques qu'il a peut-être entretenus avec certains peintres hollandais contemporains de lui ou en tout cas voisins de lui. On sait que Leibniz avait fait de la dissonance musicale l'une de ses métaphores favorites. Hume, au début du XVIIIe siècle, ou au milieu du XVIIIe siècle, avait consacré plusieurs essais à l'art. Bref, on pouvait tout à fait être philosophe avant la seconde moitié du XVIIIe siècle et en même temps cultiver les beaux-arts. On pouvait même être un styliste. On pouvait enfin à l'occasion faire des beaux-arts un objet de réflexion. Il n'en reste pas moins que le rapport du philosophe à l'art restait marginal, périphérique, voire non philosophique. Je veux dire que quand le philosophe se demandait ce qu'il était, qu'est-ce que j'ai fait, moi qui me prétends philosophe,
Eh bien, sa réponse s'élaborait dans un rapport privilégié non pas avec l'art, mais avec la science. Et on constate justement que la longue série des philosophes savants, des grands philosophes, en même temps grands savants, se termine pour l'essentiel avec Leibniz, comme si c'était pour laisser la place à une nouvelle série de philosophes artistes, de grands philosophes, grands artistes, dont le premier est certainement Schiller, à la fin du XVIIIe siècle. De Schiller à Sartre, si vous voulez. Et quand Nietzsche proposera explicitement aux philosophes le modèle de l'artiste, il ne fera en somme que tirer la conséquence extrême du tournant esthétique engagé par ses devanciers. Si j'essaie maintenant de préciser le contenu philosophique de ce tournant auquel deux siècles après la pensée de Deleuze appartient toujours, il me semble, je crois qu'on peut le résumer ainsi. C'est la confrontation du concept et de la sensation. Je veux dire qu'il n'est plus question d'une relève du sensible par l'intellectuel, ou d'un passage, d'une élévation du sensible à l'intelligible par élimination du sensible, par évacuation du sensible. Il ne s'agit pas d'une négation du sensible, mais le concept, dont la vocation est toujours d'être distinct et non pas confus, se mesure à la confusion sensible. Le concept, désormais, dont la vocation est distinct, se mesure à la confusion sensible pour y reconnaître à la fois son point de départ irréductible et en même temps la limite qui le borde indéfiniment. Et c'est Baumgarten à cet égard qui fixe le programme de l'esthétique. Baumgarten qu'à force de ne pas lire, on finit par trop mépriser et par réduire à une simple invention lexicale le mot esthétique. Je dirais, en quatre points, Baumgarten a défini ce qui serait le programme de l'esthétique jusqu'à maintenant, programme qu'il fallait accomplir, auquel il fallait donner une consistance. Premièrement, si la philosophie veut penser entièrement sa propre condition, donc se penser intégralement elle-même, elle doit affronter ce qui lui résiste le plus, c'est-à-dire la confusion du sensible, la confusion sensible, ce qui se donne à la sensibilité. Or, deuxièmement, elle ne peut pas le faire directement, parce que si elle le faisait directement, elle se renierait, elle tomberait elle-même dans la confusion, alors que sa vocation est au contraire de procurer de la distinction, de faire des distinguos, de distinguer. Ou alors elle ne pourrait que nier son objet, c'est-à-dire introduire du distinct, de la distinction, dans ce qui, par essence, est confus. Donc la philosophie doit passer par une médiation. D'où le troisième élément, il se trouve qu'un certain mode de pensée, d'après Baumgarten, assume la présentation de la confusion sensible comme telle, c'est-à-dire, comme disait Baumgarten, élève le sensible à sa perfection propre, élève le confus à sa perfection propre, vous voyez que là le confus cesse d'être une simple négativité, et cette discipline de pensée qui se propose d'élever la confusion sensible à sa perfection propre, c'est l'art. Ou, comme dit Baumgarten dans son vocabulaire encore aristotélisant, c'est le poème en général, hein, incluant l'œuvre de musique, l'œuvre picturale, etc.